Si au premier poteau, il y a Galantis qui avait gagné au mois de mars. Le cheval s'était montré souverain. Depuis, j'ai envie de dire, c'est nettement moins bien. Est-ce que vous avez des explications, Nicolas, concernant ce cheval? Sa première course était très bonne. Et après, ouais, c'est sûr que c'était très décevant par rapport à ce qu'on a vu. Donc, pour avoir une explication, après, le cheval, il reste à Paris avec sa lade. Et voilà, je peux pas trop en dire beaucoup plus, parce que normalement, le foyer, il a travaillé pour cet engagement qui est assez joli. Et voilà, ça, la dernière fois, on n'a pas vu grand-chose, c'est dommage. Bon, est-ce que le parcours à main droite, ça, c'est rédhibitoire le concernant ou pas plus que ça? Je sais pas. Je pense pas qu'il est plus d'accord à droite. Ça devrait pas le gêner particulièrement ou... Non, je pense pas. Ça va pas l'air. Bon, ici, il trouve l'occasion de se racheter. A priori, en partant en tête, en tout cas, l'occasion est belle. À voir s'il en est capable. Ouais, voilà. Enfin, c'est peut-être pour ça. Peut-être y avoir quelqu'un pour faire le leader. Donc, avec une bonne course, normalement, sur ce qu'on a vu de mieux, il devra prendre une belle place.